Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très particulière parce que aujourd'hui, je vais vous apprendre, enfin, vous montrer comment tout simplement battre les Legacy de haut niveau. Donc voilà, c'est une stratégie divine comme je l'aurais mis, comme je vais le mettre sûrement dans le titre. Donc voilà, en gros, là je suis sur une très vieille sauvegarde qui date de. Oui, peut-être plusieurs années, qui était sur ma DS de base. Et c'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas sur l'émulateur HD, parce que je ne peux pas y aller dessus. J'ai fait, vous savez, des conneries il y a un an, c'est ça, je crois, où j'ai mis, je vais la mettre d'ailleurs, pas en description, mais vous savez, là en haut à droite, ça va apparaître normalement. Ceci est une corruption, voilà, c'est quand j'avais essayé de récupérer mes sauvegardes sur DS et la mettre sur émulateur. Bah au début j'ai un peu tout corrompu, hein, parce que je savais pas comment y prendre, mais là ça va, j'ai réussi. Du coup voilà, maintenant je vais pouvoir vous faire cette vidéo, du coup, où bah, tout simplement je vais affronter les Legacy niveau 99, donc je l'ai déjà fait, hein, en gros je vous montre un petit peu mes cartes au trésor que j'ai sur cette sauvegarde. Voilà, j'ai presque tout niveau 99, hein, bon voilà, les autres ils sont 97, 96, mais voilà. Dans l'ensemble, ils sont presque niveau 99. Donc là, je vais prendre comme exemple Estar, qui est un boss assez violent, hein, qui frappe fort et est niveau 96. Je pense que ce sera suffisant pour l'exemple. Donc voilà, je commence à vous parler de ce qu'il faut en prérequis. Donc déjà, si je vais dans les caractéristiques. J'ai un paladin. Donc là, c'est mon héros. On s'en fout. Ça peut être n'importe qui. Hein. En soi, ça ne change rien. Donc j'ai un paladin. 3 gladiateurs. Le nombre de renouvocations, on s'en fout aussi. Voilà. Ce qu'il faut, ce qui est vraiment important, donc c'est les 3 gladiats et le paladin. Et que votre paladin ait au moins 450 de force. Et les gladiats aient tous au moins 600 de force. Moi je suis à 600 piles, voilà, parce que je crois pas que j'ai utilisé de graines en vrai. Donc voilà, normalement ce chiffre de la force s'atteint sans utiliser de graines. Hein. Si vous faites monter toutes les compétences en faisant de l'XP avec la map méthode, etc. Voilà. Normalement, ça devrait le faire. Donc ça, voilà. Ça, c'est le premier prérequis. Il faut un minimum de force. Ensuite, il vous faut donc... Bon, normalement, vous avez maxé tous vos points de compétences. Hein, logiquement. Donc d'ailleurs, c'est comme ça que vous avez toute la force qu'il faut. Hein. Donc il faut... C'est mieux, c'est d'avoir beaucoup de PV quand même. Hein, 840 pour les gladiats et 900 pour le paladin. Quoi d'autre? Oui, il faut avoir donc du coup, sans blague, 100 à l'épée, hein, en point de compétence, sinon ça va être compliqué. Aussi, il faut bah, 100 au bouclier. Ça, je pense que vous l'avez aussi, mais on sait jamais. 100 à la spire, donc ça c'est la lance. Ça c'est moins important, mais ça peut être quand même utile. Hein. Ensuite. Qu'est-ce que j'ai oublié comme arme? Oui, il vous faut évidemment, bah, c'est pour ça que je les ai sur moi, hein, mais il vous faut 100 à l'éventail. C'est pour ça que j'ai des éventails. Donc là, vous voyez, j'ai des éventails. Donc là, Ariel a l'éventail ultra critique. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir l'ultra critique, hein, qui est le plus fort. Sur critique, ça peut le faire. Ça passe, tu vois. Et c'est bon, ça peut être un peu plus compliqué. Mais normalement, ça peut le faire. Donc vous voyez que voilà, c'est la seule à avoir l'éventail ultra critique. Les autres ont un éventail ultra. Non, pas ultra, sur critique, je crois. Donc voilà. Donc c'est tout simplement pour avoir des coups de grâce. Hein. Voilà, au total j'ai 810 d'attaque, hein, quand je mets les éventails, mais bon c'est pas. L'attaque on s'en fout, ce qui est important c'est la force. D'ailleurs, Mizora a 108 de force. Curieux ça. Ah c'est peut-être je lui ai mis des graines, je pense. Ouais. J'ai dû lui mettre des graines. Par contre, ce qu'il faut sur votre paladin, absolument, c'est. Vous voyez, mes gladiateurs, ils ont. 284 d'agilité. Mon paladin, je l'ai mis à plus de 400 d'agilité parce que je veux qu'il attaque en premier. C'est ce qui a... ça va être important, il faut que votre paladin il attaque en premier. Donc c'est pour ça que je lui mets un foulard d'Hermès et aussi Mercury Prize, c'est le truc de l'artiste martial. Ça, il faut le mettre absolument. Donc voilà, faut au moins faire une renouvocation avec votre paladin, non, pas du tout, votre artiste martial. Faut aussi faire une renouvocation avec votre ranger ou bien votre... Enfin c'est mieux même je dirais avec votre votre art magicien parce que du coup ça donne ça, combat action medal qui augmente vos chances de coup de grâce. Donc voilà, si vous avez une faiblesse au niveau d'un éventail, bah vous mettez à celui qui a un éventail un peu pourri, vous lui mettez cette médaille. Ça fera l'affaire. Sinon niveau, bon là vous voyez que j'ai
les meilleures armures, c'est pas forcément nécessaire. Je vous le dis, vous pouvez vous en sortir sans. Sinon, voilà. Donc, faut avoir du coup farmé avec le chest timing. Ah, attention, la vidéo va apparaître sur votre écran. C'est incroyable, la magie du montage et tout. Enfin, c'est pas la magie du montage, ça, c'est la magie de YouTube. Mais bref. Donc voilà, chest timing. Faut farm absolument les éventails. Mais aussi les épées nébuleuses et les pertuisanes. Donc voilà, là, ici, j'ai les noms en anglais, hein, désolé. Pas possible de passer en français, sinon ma sauvegarde plante, hein, on sait pas pourquoi. Mais voilà. Et sinon, je crois que c'est tout. Faut avoir des bons boucliers, ça c'est bien quand même. Et le reste, on s'en fout un petit peu, hein. C'est pas trop important. Tant que vous avez pas des plastrons de fer, ça devrait le faire sinon, voilà. Enfin, au niveau des livres, il vous faut en fait le seul livre vraiment important, c'est tout simplement celui de l'art magicien, qui met les forces hein, sur tous les alliés. C'est vraiment le seul important, les autres, c'est pas giga important, c'est pas trop grave. Ça peut être utile, mais c'est pas très grave. Donc ce livre-là, vous le mettez sur votre paladin, le livre de l'art magicien. Très important. Sur votre paladin. Et donc votre paladin, je dis, qui a une agilité un peu plus haute que la normale. Et ça, c'est important. Voilà, je vais engager le combat contre Stark. Puis je vais vous parler un peu de la suite. Excusez-moi, je bois un coup. Voilà, alors, début du combat, alignement, bon, le mieux c'est de mettre le paladin à l'avant vu qu'il a plus de PV. Parce que l'intérêt c'est qu'il perde quand même ses PV parce que, en gros, vos chances de coup de grâce augmentent avec, augmentent tout simplement avec les PV manquants. Ça joue aussi là-dessus. Donc en gros, ce que je fais, vous pouvez le voir là, je spam la défense ultime, donc ça s'appelle Defending Champion en anglais. Mais en gros, c'est l'équivalent, c'est la défense ultime en français. Vous spammez ça, tout simplement parce que ce que vous voulez avoir, c'est votre couplet de grâce. Le couplet de grâce est très très important. C'est celui qui va vous permettre de défoncer le boss, hein, tout simplement. Mais genre vraiment violemment, vous allez le défoncer. Hein. Mais voilà. Du coup, faut attendre en fait, ça c'est la partie chiante, c'est toujours le début. Hein. Faut juste attendre d'avoir votre coup de grâce, votre couplet de grâce, pardon. Donc faut attendre les 4. Hein. Donc ça c'est plus ou moins long. Il y a un peu de chance là-dedans, mais quand même, quand vous avez en tout cas, enfin après ça dépend, quand vous avez des éventails critiques, là c'est risqué quand même, vous pouvez mourir. Mais si vous avez des éventails surcritiques, normalement ça le fait. Hein. Si vous avez les éventails surcritiques et les... Si tout le monde a les éventails ultra critiques, c'est bon. Hein. Normalement, il y a 0% de chance de fail. Hein. Clairement, faut vraiment avoir pas de chance. Donc voilà. Là, pour l'instant, j'ai pas de coup de grâce. C'est normal parce que j'ai encore les PV assez hauts. Quand je passerai en dessous des 400 PV, là, ça va un petit peu... Ça va peut-être un petit peu augmenter les chances de coup de grâce. Ça va peut-être commencer à pop. Donc là voilà, faut juste attendre. Ça va venir. Donc là je peux peut-être réajuster un peu mes alignements parce que je vois que bah, j'ai mon paladin qui est un petit peu lent en PV. Voilà, Arya qui a son éventail ultra critique, du coup c'est elle qui proc en premier, Mizora là aussi. Et Shadow aussi, bon bah il manque plus que Silver, du coup je vais donner tout simplement, je vais changer. Vu que Arya a l'ultra critique, je vais le donner à Silver. Donc elle... Elle le vire, donc je peux déjà lui donner une pure lame du faucon en attendant. Et à ce joueur, je lui donne voilà, l'éventail ultra critique. Voilà. Donc là, pareil, je continue en fait à faire défense ultime. Hein. Tant que les 4 n'ont pas le coup de grâce, vous spammez la défense ultime, tout simplement. Et là, bah, ça va finir par arriver, hein, clairement. Faut peut-être que je gère aussi l'alignement, parce que ouais, il prend cher. Il a pas encore son coup de grâce, du coup je vais changer les alignements. Bon, ce serait con qu'il crève quand même. Hein. Ah bah ça continue de taper Silver, hein, malgré le fait que j'ai mis en arrière. Bon. Là il devrait avoir son coup de grâce normalement quand même. Voilà,
Voilà, le moment est arrivé, vous avez vos coups de grâce. Du coup là, bah, vous faites tous coups de grâce, hein, logique. Et donc ça va vous donner le couplet de grâce. Incroyable. Maintenant, là on vous propose deux coups de grâce, deux couplets de grâce. Omnitension, je crois c'est en français. Ça c'est le truc que vous l'avez lorsque vous avez un gladiateur dans votre équipe. Donc là c'est normal, j'ai trois gladiateurs, du coup ça forcément ça apparaît. Là ici c'est parce que j'ai soit un prêtre, soit un paladin dans mon équipe, du coup j'ai esprit sacré, je crois que c'est ça en français. Et du coup voilà, là vu que j'ai un paladin, il faut au moins un paladin du coup. J'ai pris le paladin parce qu'il a plus d'attaque, etc. Et que je dans ma strat, il y a une strat avec le prêtre aussi, c'est un peu la même. Mais moi avec ma strat avec le paladin, je ne vais jamais soigner mon équipe. Du coup, je préfère prendre un paladin qui a plus d'attaque, voilà. Et plus de résistance aussi. Donc du coup, esprit sacré, on l'utilise directement. Vous gardez pour l'instant vos éventails. Parce que tout simplement, bah, on sait jamais, peut-être que votre gladiateur peut avoir un coup de grâce. Donc voilà, ça c'est utile. Bon, sur le paladin, par contre, on s'en fout. Donc c'est pour ça que je vais, en fait, équipement. Du coup, Silver, il va prendre directement... Uber Flak and Blade. Ah oui, donc j'ai oublié aussi, comme arme qui fouille, vous fout 4 pure lames du faucon, forcément. Voilà, et je vais redonner... l'éventail ultra critique sur Aria. Fan. Voilà. Donc là maintenant, vous allez. Il n'y a plus besoin de faire les défenses ultimes. Vous avez l'esprit sacré qui vous protège. Vous êtes invulnérable pendant 3 tours. Du coup, vous commencez. Donc votre paladin, qui a le truc de l'art magicien, il va pouvoir faire la force. Donc la force qu'il faut. Hein. Donc là pour Estark, c'est force funèbre. Vos gladiateurs font un coup double. Vous vous en foutez que ça fasse baisser la défense puisque de toute façon vous êtes invulnérable. Donc vous faites un coup double, donc double up, je crois que c'est en anglais. Double up et double up, c'est là. Voilà, que je me plante pas. Et donc pendant ce temps vous avez toujours un éventail, je vous le rappelle. Et donc peut-être que vous allez proc un coup critique, on sait pas. Un coup critique, un coup de grâce. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. C'est là où ça devient intéressant, les lances. Enfin, vous le verrez. Je sais pas si ce sera le cas dans cette vidéo, mais... si jamais j'ai pas de coup de grâce, je vous montrerai l'utilité des lances. Donc là, en gros, voilà, l'attaque augmente. Pas de coup de grâce. Aria peut-être, vu qu'elle a l'éventail ultra critique. Non, ok. Ils ont rien eu. Donc, je vais pouvoir vous montrer le truc avec les lances. Donc là, pour l'instant... j'ai fait, donc là, mes persos ils ont de l'attaque en plus et ils ont aussi la force funèbre, donc ça c'est parfait. Donc là j'ai juste, tout simplement, je vais leur mettre que des... tout simplement, oui, des épées. Je vais leur mettre les 4 pure lames du faucon. Voilà. Ah mais attendez, je suis con. Oui, ok, non. Petite erreur. Le paladin prend, vu qu'il attaque en premier, c'est l'intérêt, il va prendre plutôt l'épée hypernova, voilà. L'épée nébuleuse, qui réduit la défense. Donc il vous en faut au moins une, c'est pour ça. Il n'en faut pas 4 épées nébuleuses, une seule suffit, c'est pour votre paladin. Et tous les autres prennent de l'épée, la pure lame du faucon. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout simplement le combo, enfin le combo... le truc classique, hein, pas très marrant, hein, pas très skillé, mais tout simplement je vais faire attaque du faucon x4, hein, sur tout le monde. Et voilà, je fais ça. Donc là, hein, avec la protection, on est invulnérable, donc l'intérêt c'est de faire baisser la défense, faut que ça marche, c'est pas sûr, mais ça peut marcher. C'est la deuxième chance, en gros, si vous n'arrivez pas à faire baisser, si vous n'arrivez pas à avoir votre coup de grâce, votre deuxième coup de grâce, tant pis, c'est pas grave. Le deuxième objectif, c'est d'avoir votre plan B, j'ai envie de dire, c'est de faire baisser sa défense. Donc là, ça descend un petit peu, ça va pas être suffisant, je pense, pour le tuer à ce tour-ci.
Ah oui, mais d'ailleurs, il a cassé mon combo en fait. Je sais pas pourquoi. Bon, là, vous voyez, Silver il a attaqué un peu trop tôt. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, ça casse mon combo. Ce qui fait que je le tuerai pas, Stark là. Ah, sauf avec un coup critique. Là, je le tue, je pense. Non, je le tue pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mon esprit sacré est parti. Et là, arrive la partie un peu intéressante. Là, votre plan C, du coup, hein, si vous n'avez pas réussi à faire baisser suffisamment la défense, si vous n'avez pas réussi à avoir votre coup de grâce, hypertension sur vos gladias, il vous reste une dernière chance, à condition que vous ayez vos 4 pertuisanes. Bah, vous allez tout simplement vous en équiper, donc Spear, donc Poker, c'est... Voilà. Donc, hein, c'est même pas des étris pertuisanes, hein, c'est vraiment des pertuisanes, hein, voilà, j'ai pas pris les plus fortes, c'est pas non plus supra utile. Tac, donc là j'en ai 4. Hein. Et du coup là, on est d'accord, et Stark, bon il est super rapide, il va attaquer forcément avant. Et il va vous one shot. Du coup, vous devez faire tout simplement le coup d'Hermès. Voilà, c'est tout simplement comme ça, et là vous le finissez le boss, hein. Vraiment, si vous avez les 600 de force, quel que soit le boss, avec 4 coups d'Hermès, vous le finissez. Vous allez le finir, à tous les coups, c'est impossible qu'il survive. Voilà, là il me restait encore un dernier coup d'Hermès, hein, donc voilà. Donc là voilà, j'ai battu Stark niveau quand même 96, sans trop de difficultés. Donc voilà, en gros là il fallait juste que j'ai au moins la défense qui baisse d'un cran. Et encore, là j'ai pas eu de chance parce que mon paladin a attaqué un peu trop tôt, c'est-à-dire il a attaqué avant Stark. Du coup ça a gâché mon combo x4 de tout à l'heure. Mais voilà, au final c'est passé, hein. Donc vous voyez, c'est pas trop dur. Donc l'agilité du paladin m'a permis tout le temps de taper avant, donc c'est pour ça que c'est il fait baisser la défense d'abord. C'est lui qui a le moins d'attaque, du coup on n'a pas envie que ce soit lui qui tape en dernier sur le combo x4 parce que sinon ça gâche les dégâts. On a envie que ce soit lui qui entame le combo, vous voyez, qui commence le combo. Et que ce soit les gladias qui continuent le combo, qui enchaînent, qui font les plus gros dégâts. Voilà, mais du coup quand j'ai un peu trop d'agilité, parfois il attaque avant, ça c'est le peut-être l'inconvénient. Donc là, en gros, le truc que je pourrais rectifier dans mon équipe, c'est juste que, en gros, Silver, bah, le foulard d'Hermès, tout simplement. Je pense que je peux le virer, le foulard d'Hermès. Je peux mettre autre chose, une auréole, par exemple. Ce sera bon. Par contre, la médaille de l'artiste martial, il me la faut. Sinon, dernière chose possible, en gros, vous pouvez aussi farm les graines d'agilité et les mettre toutes sur votre tiens, on va faire monter de niveau, il va être content, niveau 97, voilà, vous pouvez tout mettre sur votre paladin, donc pas trop du coup, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous augmentez l'agilité comme ça. Donc c'est pour ça que, à la limite, moi j'aime bien la médaille de l'artiste martial parce que ça augmente un montant fixe et il est très fiable ce montant. Genre vraiment c'est souvent ce qu'il faut, hein, pour vraiment mettre en priorité un personnage au niveau de l'ordre d'attaque. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai tout dit, hein, sur cette Divine Strat. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais speedrun dans la semaine qui vient. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Le lien est dans la description, je vais speedrun ce jeu. Et sinon voilà, c'est tout, hein. Je crois que c'est tout, j'ai tout dit. Donc voyez, hop, je vais mettre mon overlay. Attention, voilà, ça c'est le speedrun. Ah non, ça ne marche pas du tout en fait. Pourquoi ça fait ça? Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais faudra que je règle ça. Petit souci, excusez-moi, vous n'auriez pas dû voir ça. Enfin bon, voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve sur Twitch, je l'espère, sinon on se retrouve en Let Me Play. Je reprendrai ça, je pense, début mars, les Let Me Play. Moi j'avais envie d'une petite pause parce que ça fait plus longtemps que je les enchaîne. Donc voilà, j'ai fait une petite pause, mais vous en faites pas, je reprendrai ces Let Me Play. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde.